Donc aujourd'hui, on va reprendre le travail sur la conjugaison des verbes du premier groupe et on va étudier les verbes qui ont des petites particularités, on va les revoir. Donc vous allez prendre l'iPad, ils sont déjà allumés, vous allez directement lancer iCard Sort. Qu'est-ce que vous voyez ? On voit des cartes avec des pronoms personnels. D'accord, ils sont de quelle couleur, elles sont de quelle couleur ces cartes ? Jaune. Donc les cartes jaunes sont des pronoms personnels. Donc là, sur la séance, on avait un groupe de 13 élèves de CM1. On a travaillé sur la conjugaison avec l'application iCard Sort. C'est une application qui permet de, à partir de cartes que l'on peut bouger, de faire différents types d'exercices. Ici, je m'en suis servi en fait pour réviser la conjugaison des verbes du premier groupe avec certaines particularités. L'application est intéressante puisqu'elle va permettre aux élèves d'une part de manipuler, retrouver cette côté manipulation qu'on peut avoir avec des vrais jeux de cartes, mais en plus permet de sauvegarder le travail qu'ils ont fait et, me permettre de justement récupérer, pouvoir évaluer le travail des élèves. Et ensuite, on a travaillé en calcul mental sur les tables de multiplication en mettant en place un petit concours pour comparer les scores réalisés avec l'application ABMAT qui permet justement de s'entraîner sur les tables de multiplication. 176, qui a plus ? Alison ? 186. 186. Je crois que j'ai ce score. Alison est troisième. J'aime bien l'iPad parce que c'est tactile, on appuie dans des choses et après on peut jouer avec des jeux. Et moi je trouve que c'est amusant même si on travaille. Ça permet aussi aux élèves d'avoir une approche de certaines notions, par exemple pour la symétrie. Ils voient directement le tracé de la symétrie se faire en même temps que le mouvement de leurs doigts sur certaines applications. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir nulle part ailleurs, puisque quand on travaillait avant avec un calque ou bien simplement en traçant à la règle, ils n'avaient pas cette approche de la symétrie en direct, en quelque sorte. Pour réussir à faire la forme géométrique, il faut partir de l'autre côté. On fait tout dans l'inverse, à l'inverse. Et après, on obtient notre forme. Après, à côté de ça, il y a toujours ce côté ludique qui intéresse beaucoup les élèves. Et ils rentrent tout de suite dans l'activité. Ils ont envie de chercher, de manipuler l'outil. On le voit beaucoup quand on laisse l'iPad en autonomie à un groupe d'élèves. Ils vont pas forcément chercher à faire des jeux ou à aller vers les applications les plus ludiques. Ils vont peut-être certaines fois travailler sur des applications type Exerciser avec des vraies questions comme on pourrait leur poser sur le cahier. Mais ils vont y aller d'eux-mêmes parce qu'il y a justement cet outil comme moyen. Moi j'aime bien l'iPad parce qu'on peut faire des jeux et on peut l'emporter partout comme ça. C'est tactile et on peut l'allumer rapidement. Tu apprends en t'amusant. Alors c'est pour ça que je pense, moi je dis ça pour moi, mais j'aime beaucoup travailler avec l'iPad. En termes d'évaluation, pour l'instant on n'a pas de réel retour puisqu'on n'a pas quantifié les résultats par rapport à une classe qui travaillerait une notion avec l'iPad et une classe qui travaillerait une notion sans iPad. Donc c'est quelque chose à voir dans le futur. Mais nous, le ressenti qu'on a justement sur le travail des élèves, c'est vraiment que les élèves s'impliquent beaucoup et que sur certaines notions, notamment sur la symétrie, on a une perception plus rapide que ce ne l'était sur des supports classiques.